parole à palais.com. Député journal la matin, hein, c'est sénateur nord-est paysan Jacques Sauveur Jean avec lui nous pour commenter actualité et des micros pour capable servir comme à l'accoutumée. C'est toujours moi-même Salomon, c'est de mes bonnes écoutes et excellent week-end sur antenne Radio Mega. Sénateur Jacques Sauveur Jean, bonjour, nous comptons avec vous, bon début week-end. Bonjour Salomon, bonjour à toute l'équipe de Radio Megastar, à l'auditoire qui, quel que soit côté branché, et plus spécialement fanatique Jacques Sauveur Jean qui toujours en premier dans la vie. D'accord. Sénateur Radio Mega, matin, nous comptons recevoir vous et rapidement nous allons regarder sénateur. 17 octobre, on date historique. Pendant X temps, Genba nous pas jamais vivre dans le pays. Mais 17 octobre dernier, pays ça qu'on a un véritable mouvement, une véritable manifestation. Côté en pile monde, vraiment en pile monde, qui ne bat jamais depuis la période 2004, pile et béton, en pile côté dans le pays. Qui ça, ça dit? Ça veut dire pour moi que l'est arrivé pour que 17 octobre, et que nous toujours connaissons comme une date de référence en rapport avec ça qui était passé la donne en 1806. Et je dis à une référence encore parce que c'était une date que Haïti était connu un moment extrêmement difficile. Et nous parler d'Haïti comme nation, nous parler d'Haïti comme pays, et on gros garçon les Jean-Jacques Dessalines te disparaître dans date ça. Donc date ça son date pour nous tout haïtien t'a supposé ni ti moun ni grand moun ni tout monde qui connaît Haïti et t'a toujours passé à lui mais en pile moun te connait passé date ça en ti Jean inaperçu mais qu'on y a là 17 octobre qui sont arrivés là montre tout monde clair que en pile haïtien connaît devoir connaît leçon connaît histoire et prendre date ça comme référence pour capable de poser une série de questions, pour capable de relancer une série d'idées et permettre que le pays a vraiment joindre route li que le perdu depuis date ça. OK. Yon initiative par le fait qu'il charrie en pile monde ces questions à côté l'agent Petro-Caribéen sénateur. Qui côté ou quoi qu'il arrive à elle? Jusqu'au bout, il faut que nous allions, parce que au fond, l'agent Petro-Caribe, son chapitre qui traitait en dans dossier, en dans gros livre ça que nous t'as capable de lire la disparition de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Mais c'est un chapitre, un chapitre. Il faut croire que son chapitre est quand même à plus loin avec Salomon, son prétexte, son prétexte. C'est pas vraiment problème non et c'est pas faut que monde pas courir à quoi qu'on soit question de l'agent Petro-Caribe qui t'a doué ou du moins qui question principale qui fait que 17 octobre tout haïtien t'es capable de lever et prendre la rue à poser question yo qu'a poser question yo qu'a prendre Petro-Caribe comme prétexte mais il faut croire que c'est encore plus sérieux. Et 17 octobre 17 octobre et le ouais ou gagner sacré Léon, Léon, Samda et Léon, un détournement de nation qui était fait dans la date ça par un groupe de monde qui empêchait que l'État actuel et même l'État depuis tout ce temps-là ait une vision. Donc, c'est pas seulement question de côté Petro-Caribe, mais il faut croire que ça va jusqu'au bout parce que c'est un bon prétexte. Et son bagage qui va permettre que nous reposer certaines autres questions, son bagage qui va permettre que nous repérer le pays d'Haïti et puis le récupérer. Puisque nous parlons de ça, avant même journée 17 octobre, hein, nous apprenons que nous parlons de opération en deux temps qui peut permettre que nous repérer Haïti et dans les bras de ces gens, de ces gens qui l'ont détourné depuis 1806 et à partir de la mort de la preuve et de pouvoir encore aujourd'hui mettre en place une opération deuxième temps pour récupérer ce pays et trouver la destination, la piste est souhaité par l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui n'est autre que liberté, égalité, fraternité. Mm-hmm. Pour question, Petro-Caribe, sénateur, un peu le monde plus indexé pouvoir tête calée et puis HTK. Sénateur Jacques Sauveur Jean, jusqu'à présent, lui encore été un sénateur puis HTK. Mais comment est-ce tout?
Moi, pas quoi que en pays mon indexé que PHTK. La nation est en train de poser une question à tous ceux qui ont touché au fond de l'État et au fond spécial Petrocaribe. Tous ceux qui ont dilapidé ce fond. Il arrive que nèg PHTK yo paraît un peu picrétin en chaque fois yo parle de l'argent Petrocaribe et puis faut nan répondre présent de ce principe qui s'excuse s'accuse en plus le monde comprend ça avec yo a parlé mais au fond c'est avec tout le monde qui touchait à fond Petrocaribe et à fond de l'État dans de mauvaises conditions parce que ils ne sont pas les seuls à piloter les fonds Petrocaribe ni les fonds de l'État qui ont été mal adressés. Donc il faut croire que c'est une petite crétinerie qui fait que c'est de eux-mêmes ils ont parlé ou du moins ils ont tendance à adresser et puis ils ont un petit peu plus éloquent dans action yo l'ont à poser des actions parce que ou ka rappelo de programme gouvernement la caille côté que te conseiller de bagaille te qu'on a fait dans télévision et puis le finan corps c'est des monde qui très extravagant puisque c'est pas des monde qui comprennent que comme ta dit que qui ça me ta relé dans petit programme fait ouais pas durer yo ka fait monde ouais que c'est eux même que vous voulez pas la belle mais au fond n'est pas capable ça. Et moi-même, en tant que membre fondateur de ce parti, en tant que yon nan moun qui connaît l'idéologie partiale, n'est pas capable de voler. L'idéologie partiale n'est pas capable de voler là-dedans, n'est pas capable de gaspiller. Mais cependant, on a besoin, depuis l'affaire Petrocaribe en Haïti, des moun qui font mauvais usage de fonds, et qui n'ont pas dit c'est pas yo, qui n'ont pas dit c'est yo, qui n'ont pas dit ça dépend de l'attitude yo, mais n'est pas l'affaire d'un parti. N'est pas qu'à l'affaire d'un. Donc parti exclusivement qui c'est pour Dakar dit c'est PHTK qui exclusivement rentre dans la logique de gaspiller les fonds de l'État ou du moins by destination à de mauvaises destinations à l'argent PIA. OK. Indexé PHTK sénateur d'après vous c'est peut-être une perception du pas réel. Il pas réel, son perception et il faut croire que c'est à combattre. Moi-même, c'est jusqu'au bout parce que d'ailleurs, je suis de ceux qui réclament, ou du moins qui posent la même question. Et il n'y a pas que moi. Mm-hmm. Bien entendu, il y a un pile dans les gens qui a pu faire théâtre, qui connaît bien de qui ça a parlé, mais cependant, qui a proposé, comme d'adou, poser des questions, pendant que vous connaissez, vous avez réponse à tout. Mais moi-même, je me pose des questions et je me vraiment attendre que vous avez réponse à côté comme Petrocaribe, côté l'argent de l'État. Et me fait dans tout sens. Nous travaillons pour lui. Je suis l'un des initiateurs de la commission éthique et anticorruption qui a adressé le problème Petrocaribe au niveau du Sénat de la République. Et cette commission, jusqu'à présent, a toujours été en action. Je suis le vice-président. Donc, je pose encore aujourd'hui, je pense qu'il y a tant d'autres Haïtiens qui sont en train de poser la même question. Mais à travers le rapport qui fait, puisqu'il y a des rapports qui produisent dans le Sénat République, là, par la Commission éthique et anticorruption Sénat, dans le cadre de rapport au sénateur, ou plus trouver des mouns PHTK dans le rapport ça qui eux-mêmes ont gagoté plus COB selon le rapport là. Quelque part, rapport la faussé? Bon, il n'est pas faussé. Il y a un rapport qui était, des informations recueillies par, des informations fiables recueillies par une commission pour présenter à une assemblée qui est l'assemblée des sénateurs seul souverain. Donc, le premier rapport a été adressé au Sénat de la République, a été remis, présenté, puis le Sénat a introduit une deuxième commission pour approfondir. Donc, pour soumettre à appréciation grand corps là. Malheureusement que il y a eu ce
la séance qui a que été transféré le rapport final à la Cour des comptes, qui fait que le grand corps pas de chance prononcer lui, ou du moins pas qu'on prononcer lui, mais ça pas vrai dit que c'est en confirmation déjà que moun qui est indexé dans le rapport là, c'est exactement moun qui est coupable. Donc il faut croire que c'est soumettre des informations à un grand corps qui est le corps des sages, le Sénat de la République, mais qui jusqu'à présent, malheureusement, pas de chance ou le temps de prononcer elle-même sous rapport là. Donc on attend l'aboutissement de ces informations pour pouvoir s'adresser à ceux qui sont indexés et de remettre à la justice responsabilité pour capable rendre la nation en justice. En pile monde qui connaît le sénateur Jacques Sauvé-Jean et qui tendait où par les fêtes quand même ou parler autour des questions ça, et d'ailleurs où t'es accompagné président ancien président commission éthique et anticorruption Sénat République là, sénateur Yuri La Tortue dans quatre conférences qui t'a bail d'ailleurs dans le CAP nous rappelez nous côté t'es incident qui t'est arrivé ou finalement accompagné sénateur ça veut dire exactement Jacques Sauvé-Jean les supporter rapport là. Qui ça convaincu là-dedans? Mon cher, moi-même, moi pense que attitude et un monde face à une information capable de permettre que un monde capable de porter un jugement et un monde qui a accusé un monde de n'importe qui s'en voulait en rapport avec des informations, c'est pour éclaircir. Et moi-même, l'homme d'âge, par exemple, un monde l'homme, un homme non bagaille que pas fait, c'est occasion bon pour me capable de justifier l'innocence. Ou dit que, par exemple, ou joindre moi, tu commets telle action, dans telle bagaille, vous pouvez même ça me faire poter pour un barreau, demain, et ça dit à autre fois. Donc, moi, je n'ai pas trouvé rien mal dans le rapport. Je trouvais que attitude, monde qui indexé, contingent prêté à des doutes qui fait que tout le monde a dit, depuis qu'on dit voler, ou il dit c'est pas moi. C'est pas moi, non, c'est pas moi, non. Donc, ça, c'est un bagage. Et puis, on a dit, bagage là, sérieux, parce que, ou est que leur produit crime café trioua. Ou est que c'est un crime prémédité par des groupes, par des mounes, et qui fait que, comme t'as dit, bon crainte, il y a poney, bon peur, il y a eu une mort d'homme à Café Trio, il y a eu une agression sur une population, il y a eu une agression, une tentative d'assassinat sur des sénateurs en fonction. Il faut croire que le moun a regardé tout ça, on dit, ah, écoutez, non, il faut me vérifier, il faut que je me garde ça qui, et m'a regardé encore plus, attitude des autorités haïtiennes face à enquête et action imposée vous mon mourir et puis enquête révélée non citée mandat décerné mandat d'attitude de l'État haïtien qui a appelé l'opération cassé fait pour ça tout de suite ça comme d'adou c'est lui qui fait population plus ou moins dire un gros problème vous. Mon problème vrai parce que il va être capable d'adou pour ses constats pour l'État à gérer une telle action et que d'adou l'État trouve moyen de faire obstruction à la justice même et puis où jouent comme d'adou des autorités même qui prononcent et aux gens ça crée une confusion dans la population qui mettait le dehors pour dire écoutez si c'est ainsi il me faut la vérité je demande à ce qu'on me dise la vérité. Vous faites partie d'une famille politique. Je dis à quelqu'un qui estime que ou désolidarisé avec yo. Comment partir à vous? Yo, même j'en ai oublié. Mais moi-même, bah, on est qui épousé en parti. Moi, épousé en cause, qui est la cause haïtienne. Haïti d'abord, à mon humble avis. Haïti d'abord. Et si vous avez un parti haïtien tête calée, c'est parce que parti haïtien tête calée, vous dit être haïtien jusqu'au jour, être haïtien jusqu'au bout, être haïtien jusque dans l'âme. Donc moi-même, je dois avoir ses partisans, je dois avoir des gens zélés qui comprennent ma position, mais moi-même, ma position a toujours été une position ferme face à Haïti depuis mon enfance. Parce que moi, fait toute vie, ma positionnée. Avec des mots que même au monde comme référence.
nous, petit Christophe, petit Capois, petit Jean-Jacques avec toutes les autres, nous pas de rester pour quoi dire, les nouveaux pays nous en danger. C'est pareil que m'a dit, l'homme de gain 12 ans, l'homme de gain 11 ans, et que m'enregistré sous album moins depuis l'homme de 16 ans. Dans le pays, le soleil levé chaque jour, Haïti chez nous, pas de droit trop que même si. Ça, c'est ma position initiale. Donc, quel que soit le champ où vous voulez, ou vous voulez faire comprendre que vous êtes capable de venir sous vingt ans, je dis à l'âge de mille là, à défendre encore Haïti, et pour vous voulez que vous avez que c'est ça, c'est vous-même qui avez l'autre position. Mais ma position initiale a toujours été une position claire vis-à-vis d'Haïti. Moi, pape, j'aime marcher tête à tête, le moins pays, moins en danger. Et ceci, c'est la loi des salines qui est dans la tête. C'est mec ça qui motive. Et ça, avec ce que je fais, c'est avec lui, m'a mouru. Parce que je ne suis pas capable de trahir une cause qui est cause du peuple-là. Je ne suis pas capable de trahir une piste que Jean-Jacques Dessalines a souhaité atterrir à avion qui détournait, hein, qui c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, une affaire de parti, je ne suis pas capable de partir en lui-même directoire à penser comme ça. Non, nous avons des sympathisants, des mondes zélés qui peut-être ont des intérêts. Et pressant des intérêts mesquins, des intérêts personnels, qu'à comprendre qu'on est capable de trahir un pays au profit de intérêts anti-goupoun, mais je ne pense pas que c'est le cas. Olapalais.com. Nathan Jacques Sauvé-Jean est artiste dans le premier temps et qui a encore été artiste, Zami avec Sweet Mickey, Michel Martelly. Joudian, sénateur Jacques Sauvé-Jean, sénateur de la République, politicien, et Michel Martelly également politicien. Nous, t'es bien pile, m'pas connaît, m'pas regarder. Joudian, comment relation y avec Michel Martelly? Bonjour, ben, chaque monde en créant pour tracer chemin. Créant Michel Martelly n'a même, avec un frère Kaye, la tracer chemin pâle. Créant n'a même, avec un frère Kaye, ma tracer chemin pâle. Il arrive que nous avons chanté en même refrain. Mais nous, chaque, sautons dans une zone différente. Ils sautent dans le sud-est, moi, je saute dans le nord-est. Et nous rencontrons Port-au-Prince, en train de chanter un même refrain qui est Haïti chez nous, musique que moi-même, moi, composée. Donc, c'est un allié naturel. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait du chemin. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Parce que je reconnais sa bonne foi, je reconnais son cœur, je connais plus ou moins son cœur. Mais je ne veux pas dire que Action Michel, c'est Action même gens que lui-même tout pas dire. C'est ça qu'il faut l'amitié. L'amitié se conjugue au pluriel. On est amis. C'est pas que moi, les amis, et puis pas les amis, moi-même, les amis, et puis moi, pas les amis. Il faut que nous, ensemble, capables de conjuguer l'amitié, pour permettre que l'on sens. Ok, mais... pour me capir précis, sénateur, comment relation y est avec président, ancien président Michel Martelly? Est-ce que c'est toujours même amour? Mon cher, nous toujours, conjuguer Haïti, avec un cœur gros, un cœur ouvert. Et nous toujours été un dénominateur comme ça. Comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur de ce pays? Nous pas gagner aucun. Il est vrai que les maisons anti-bagailles, rien ne se perd, tout se transforme. On est fait pour grandir, puis vieillir, puis mourir. Donc, de par expérience qu'on fait tout au cours de route, il y a des bagailles que nous apprenons l'un de l'autre, qui fait que moi-même, moi, conclue que, écoutez donc, Jacques, bon Dieu, ben, chaque où nous créons pour tracer chemin, ou tracer chemin pas, lui-même a tracé chemin pas. Pas retrouver, que comme Dadou, le coupable, moins coupable, l'innocent, l'innocent. Nous, chaque responsabilité, nous, face à la nation. Et c'est ça que fait lui, président. Moi, sénateur. Donc, cela veut dire que, dans le moment que le président l'a juré devant la Constitution, il n'a pas dit nous jurons, il a dit je jure. Michel Martelly, un type qui lui-même, ça qu'il a dit, le pape Dili, c'est très carré en bon créole. Est-ce que ça peut arriver, quelques fois ou certaines fois, M. Rilo lui dit mon cher sénateur Jacques Sauvé-Jean, je ne comprends pas ce que tu là. C'est pas là comme ça. Tout le temps. Tout le temps, moi-même, avec lui, nous gagnons des discussions qui sont vraiment chaudes. Et Michel, c'est type de nègre qui a dit catégoriquement, écoutez donc, et je ne te comprends pas, mais il ne faut pas l'explication. Ou après, le secrétaire dit, ah, ok, d'accord. Parce que, guérir-le, le problème autour de Michel, c'est que il y a tellement de monde qui a des intérêts qui différents autour de lui, donc il y a des monde qui sont comme si nous sommes capables
ou ta ou ambiance là. Mais cependant, lui-même, personnellement, le m'balavel, même si qu'on gagne un petit chauffement entre nous-mêmes, le nous a parlé, Michel toujours conclut que, hey, nous aimons Haïti. Mais c'est pas qu'on joue où? Non. Ou ka ou ça, Michel, même dans la plaisanterie, il a fait depuis toute carrière. Il joue tout le monde parce que c'est joueur que lui est. Mm-hmm. Mais on va jamais n'aller la jouer Jacques Sauvage. Parce que il connaît, faut le respecter. Et il connaît tout que s'il va respecter, il a fait une mauvaise expérience parce que moi-même, je le respecte. Et est-ce que ça arrive comme si nous faisons discussion entre nous sur la question Petro-Caribé? Oui, nous avons des discussions. Moi-même, j'étais à suivre tout le temps la gouvernance de Michel pendant toute l'époque que il était président. Mais on a gardé bien pour moi. Ou pas, je m'entendais, on a un homme dans Petro-Caribé. Il n'y a pas qu'à l'homme un homme dans Petro-Caribé. Et c'est vrai, bien Michel depuis 35 ans. Okay. Je dis que pas un monde qui a présenté moi-même, Jacques Sauvage, qui a une position. Non seulement, je n'ai pas de chance, ni pas de chance. Juste aujourd'hui, là. Juste aujourd'hui, il y a ma parole là. Tout politicien, pour moi, c'est encore idiot utile. Donc, on a besoin pour besoin pousser la parole, mais on a pas besoin pour que, comme je dis pour eux-mêmes, c'est des chanteurs amis. Ça veut dire qu'avec ça, vous bénéficiez du même coup de yon, comme d'adou, yon attitude qui fait que c'est très difficile qu'on joue un homme dans le papier à eux. Yon pas bon si yon gagne pas. Si papa ici n'a pas de chambre dans mon mandat en tant que sénateur du Nord-Est pour qu'on prenne des positions officielles et aussi comme d'adou à caractère officiel, ou d'après que ou pas d'abord une signature dans les papiers beaucoup de Préval, ou pas d'abord une signature dans les papiers beaucoup de Michel, ou pas d'abord une signature dans les papiers beaucoup de Préval, et ceci, c'est des mondes qu'on connaît de très près. Okay. Mais la théorie, jusqu'à aujourd'hui, même Jean-Henri Serre, il parle de ça, ou après que les jours que l'on pour dans la déclaration, les jours que l'on pour le passer dans le Parlement, moi je dis à chercher l'autre nègre parce que moi je ne suis pas conditionné fonctionnement à travers un job ni une opposition pour que nous défendions Haïti parce que nous connaissons si ça va mal, je serai le premier à dire à Jean-Russien, écoutez donc, on est dans la mauvaise pente, on est sur la mauvaise pente, dans la mauvaise direction, il faut redresser le cap. Mm-hmm. Donc, si il parle de la saisie, ouais, que Jacques Sauvage, on est capable d'aller dans la logique de ça qui part fin trop bon, parce qu'il y a un pays d'Haïti. Jacques Sauvage, sénateur, ou toujours dit, c'est vous-même qui fait que je dis, c'est Jovenel Moïse qui est président de la République, par le fait que choix, ou t'es imposé choix, avec l'équipe là. Est-ce que c'est par le fait ou t'estimez que Jovenel Moïse, en soi, par rapport avec champ d'activité, t'es capable plus facile pour convaincre mon nouveau télé, ou est parce que t'es quoi la capacité? Ouais. Très belle question. C'est pas capacité que me te connais, non? Parce que l'homme joint Jovenel Moïse à l'œuvre, c'est pour moi-même une grosse déception que moi, c'est qu'on s'en a plein de gars. Je ne sais pas si je peux comprendre que je ne suis pas capable d'en faire avec un général de division. On est qui paraît possibilité pour qu'il y ait un pays uni. Je me disais, on est quand on a un paysan, et je me annonçais, depuis longtemps, on est qui gagne, qui semblait moins. Ça veut dire, l'homme dit semblée, c'est pour question de sembler dans bel garçon, non? Parce que c'est une action que nous avons posée. On est qui était toujours campé, qui a défendu l'agriculture, on est qui a défendu la paysannerie, on est qui était mon discours de mais arrivé aujourd'hui, l'homme vient de venir à l'œuvre en tant que capitaine de navire, son vol avec autant de turbulences. Moi, je viens de réaliser que les gars ont un pile problème pour le résoudre la carrière avant que le cas mène Haïti dans l'unité. Et Salomon changeait bien, nous toujours parler. Aujourd'hui, on parle de ces conseillers. Aujourd'hui encore, nous par contre, nous changeons, moi-même avec vous, nous parler de ça. Nous faisons allusion à ces conseillers qui considèrent comme des éléphants, des hommes lourds. Nous faisons différence dans, déjà, moi-même avec vous, entre la présidence et le président. Donc, j'ai trouvé un Jovenel Moïse, au fond, au milieu d'une institution qui est la présidence, incapable de se comporter en tant que président comme garant de toutes les institutions et du moins comme
comme Sindadou, yon capitaine de navire avec pour responsabilité d'atterrir l'avion à bon port. Donc, peut-être qu'il est empêché. Et vu que le système est un système assez fragile, il faut croire qu'il est capable, pour qu'on parle aux victimes, parce que on considère Jovenel Moïse comme un monde qui est en otage, je dis à. Et c'est la raison pour laquelle que je parle ces jours-ci de repérer Haïti et de récupérer Haïti, parce que ce pays se trouve dans les bras des super Ben Laden, des hommes qui l'ont hijacké depuis 1806 et qui ont été aussi hijackés par d'autres couches sociales et qui sont en train de mener une opération avec un pays, avec un vol, avec autant de turbulences, avec 17 octobre, avec 6-7-8, avec des coups d'État, avec là où l'État ne peut même pas avoir une vision. Donc Jovenel Moïse peut être l'un des victimes de ce système, monté par des gens super intelligents qui affichent clairement devant la société comme des mondes strictement après l'argent qui n'ont rien à voir avec le bien, ou du moins le bien des autres citoyens haïtiens. Donc moi, clair sous position, moi, pas satisfait de Jean-Monsieur Apmen le pays, moi, dis-le dans les oreilles, moi, dis-le mon faire signe, moi, dis-le bien fort, et dis-le devant nation, si c'est le droit de la pays, préférez qu'elle démissionne. Parce que lui considéré comme un monde qui est supposé mener le pays vers une piste qui reflétait l'idéal de sa lignée, qui est l'unité, qui est l'union fait la force, qui est liberté, égalité, fraternité. Et puis, quand même, elle a passé à côté piste la même. Mais est-ce que son vol détourné que l'a mené avec autant de turbulences, qui s'accélère ce comportement de bon coopérateur avec ses bourreaux? Est-ce que le comprend la situation, même j'ai annoncé qu'on parlait le pote co-président ou du moins le président? Est-ce que si moi-même dans la dit ça, parce que même sénateur, moi-même n'ai pas convaincu, mais je pas capable. Sénateur. Salomon Bam, je suis là. Moi, si tu as devant le bureau, il y en a un gros nègre qui vient en Haïti. Et puis, monsieur posait mon question, là, nous finissons parler, parce qu'il y a une position, il dit toujours position, on est là. Et puis, monsieur dit, mais bon, comment vont les choses? Et puis, il me dit, les choses ne vont pas trop bien, les temps sont durs. Là, il me dit, monsieur, ça, monsieur font chèque de 1 million de gouttes libamain. Là, monsieur fait chèque là, il me dit, waouh, on va chat avec madame, moi, pendant que je suis là devant le bureau, monsieur, il me dit, madame, où qu'on est, un tel ban, moi, au chèque de 1 million de gouttes. Et puis, madame, moi, dit, mais vous prenez le bureau, je suis mal dans le micro pour parler d'Haïti, j'en ai parlé encore. Et puis, il me quitte le chèque là en bon, pour être très sous le bureau, monsieur, il m'a allé. Oh, là, monsieur a fâché. Mon monsieur m'a enragé. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas bien le choix. Parce que je n'ai pas pile le temps devant moi de prendre une décision. Et seconde, seulement que tu gagnes, moi, je ne pas. C'est pour montrer que nous pouvons être qui avant et nous ne pas acheter. Mais lui-même, qui sa intention de? Qui sa intention de? Bon, l'intention, c'était comme Dadou, on a qui pose aux questions qui m'a dit comment bailler et qu'on répond l'intention Dieu. Donc l'intention Dieu dans un pays comme Haïti, peut-être que tu as besoin d'argent. Mais elle me garde net qui va me cobler, elle me garde dans l'intention que moi, là, nous t'as parlé, les positions que je prends devant le moi, que lui t'as parlé avec moi, me dit, peu en pile, que je ne vais pas comprendre que l'a pour acheter un sénateur ou bien Jacques Sauvergeant pour 1 million de gouttes. Et puis j'ai laissé le chèque en bas en compte, en bas en prêteur que vient sur le bureau là. Pas comme s'il joignait, pas comme s'il prend, mais l'essentiel, j'ai laissé le chèque de 1 million de gouttes. Et, ouais, probablement, après ça, on va pouvoir être anonyme avec monsieur tombé, ouais, que nous, couteau tiré, parce qu'au fond, peut-être qu'elle va apprécier ça. Ah, ok, ça veut dire que je dis ennemi. Ah, un ex-sauvage en même temps, encore. Ok. Qui dernière fois parler avec le président? Ah, ça, il y a quelques jours, depuis en 26, 7, 8. La dernière fois que le tiré les mains, c'était toujours pour être capable de demander, et Jackie Tourmen, son gars, ça qui passe, ça n'est rien. Mais puis, me dit, mon cher président, moi, ouais, que nous avons très mauvaise pente et que, il y a des variétés, si nous pas corriger, mais côté de bras, aller. Et puis, nous, aller par la suite, nous t'es allé au Taïwan ensemble, nous t'as conjugué encore pays, avec toutes tes réserves, même, t'es toujours bien des positions, etc. Mais,
après ça moi réaliser que mon froideur et que il y a des menaces tout qu'a il des mon nèg nan nèg qui dans conseil bio qui t'a parlé avec moi qui était fait pas de l'affaire des éléphants qui devait n'a parlé avec moi sont ton très menaçant qui devait écouter donc ici on a des éléphants et que l'on en a fait avec nous nan nous c'est si on mettait pied sous l'autre pas mettait pied sous pas jamais qu'à bouger et puis me dit monsieur mon cher bienvenue dans la jungle parce qu'il faut qu'on se respecte moi-même débat une référence du loup et l'agneau me dit monsieur écoutez donc le plus fort n'a pas forcément raison même quand la raison du plus fort est toujours la meilleure donc ça peut-être m'a coûté beaucoup mais cependant autour de Nexayo donc le fait seulement qu'on a un point de vue différent le fait que vous capable de pas seulement dit même avec lui, président, et puis vous êtes capable d'être positionné et situé comme des éléphants au pilier ou pour être capable. Donc ça fait que moi-même avec le président, nous avons quelque chose de pas mal. Ok. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui estiment que pouvoir les sous mauvaise pente, ils ont douté sur ça qui a un rapport avec le mandat président de la République, là, 5 ans. Il y a des gens qui sont très doutés, qui pas estimer que chef l'État a trois possibilités pour chef l'État être capable d'arriver et finir mandat. Est-ce qu'on réfléchit comme ça tout? N'importe bagaille qui arrive. Et moi-même personnellement, je conseille les peuples haïtiens pour ne pas lâcher pression que la baille journal. C'est donc qu'un des journal sous pression, parce que le journal, pour qu'on ne parle qu'à besoin de ça, ou pas font l'idée. Journal pour qu'on parle qu'il y a bien besoin de pression peuple haïtien ben là pour permettre que le joigne des raisons pour justifier les actions que le bras vient pour le poser dans les jours à venir parce que ce monsieur vous regardez bien où elle conseille de discours qui pas correspondent avec action. Il parlait de corruption comme 5 problèmes, mais jamais pour le. Il parlait de justice comme problème, mais Café Trio, en bas de là, il va faire un petit bonheur. Il parlait de développement, agriculture, après avoir acheté 12 000 tonnes de riz au Vietnam. Il parlait de tout ça, il dit qu'on se gagne. Et monsieur, je viens de la situation, côté que moi, je me considère comme musicien qui a parlé dans le micro, mais qui est un moniteur seulement que le temps de tête. Parce que nation, depuis monsieur parlait, tout le monde trippé. C'est un mauvais signe pour la nation. Et moi-même, je dis ça clair. Que mandat 7 jusqu'à 5 ans, que mandat finit jeudi ou demain, l'égal a dégoûté à 50 comme, parce que ça crise là, pas de jambes d'arriver. 6, 7, 8, pas de jambes d'arriver. 17 octobre, pas de jambes d'arriver pour être gouverné en pays d'encore Haïti. Et il va avoir d'autres autre dates encore. Ou pas le 18 novembre, ou pas le 1er janvier. C'est chaque date, même un conseiller, et mandé peut pas ici. Continuer à exercer pression, hein, parce que quand on a affaire avec des loups, il ne faut pas avoir un comportement d'agneau en plein temps. Il est des moments où le silence est d'or, mais il est des moments où le silence est d'or. La phrase est claire, des moments où le silence est d'or. Et même fois le silence à dos, qui ne dit rien qu'on sent. Donc si ça ne va pas, ou pas qu'arrêter, silencieux. Donc, s'il y a des moments où le silence est d'or, il y a des moments aussi que on doit prononcer pour permettre que on fait qu'on ait un point de vue. Bon, donc, moi, non seulement féliciter le Haïtien pour l'attitude du 17 octobre 6-7-8, mais tout continuer de ne pas cramper, bras croisés, les lois pays en danger. Et question 17 octobre, il y a avec question Petro-Caribé, même si là, on parle de question prétexte. Mais qu'on y a concrètement, qui ça président a fait dans la question ça lui-même? Saisis-le, oui, saisis-le. Parce que le président a une vieille attitude que m'a critiqué depuis quelques jours. Le président a un engagement envers deux groupes de monde. Et un groupe de monde qui était grand nègre, qui était financé par Paris, et une population qui était désespérée à la recherche d'une piste défalinienne, côté que vous comprenez pas parler du joint, comme d'adou, liberté, égalité, fraternité. Ceux qui ont voté pour le président n'ont jamais, n'ont pas encore reçu même sou de leur vote. Or, tout le monde qui était financé, il y a touché première tranche, touché deuxième tranche, carré bien pour vous, Salomon. Président, le bon matin, et puis il fait sortir un arrêté qui dit que l'argent américain particulier dans le pays. Nous t'étendons au monde que Barrett a été baillé. En plus, on a parlé, il y a des gens qui n'ont pas contacté, spécialement les grands détenteurs de dollars, les grands manitou de dollars. Ils ont parlé, mais la décision était faite. 7 mois plus tard, le président Tourné dit OK, on remet en circulation la monnaie américaine. Qui en fait faire ce qu'on est? Pour qui ça le fait? Comment le fait-elle? Qui ça a passé? Ça a passé ce qu'on est. Nèg qui hijack pays, il y a toute institution financière sous contrôle. Ils ont une valeur goudla, ils ont rentré dans le système, ils ont prêté tout goudla,
yo monte l'argent de 65 à 73, et même yo remettre, yo revendre l'argent et yo remettre tout bout là, même quantité l'argent était prêté, et tout reste l'argent rentre dans main yo. Et nous avons mis les nations à son taux d'inflation, côté que le salaire minimum n'a jamais satisfait personne, côté que le monde qui travaille en goutte n'a jamais eu rien, la production nationale n'a jamais rien, parce que le président font premier arrêté pour faire plaisir à ces gens-là selon un conseil quelconque, parce qu'il est entouré que de ces gens-là, et puis il a fait encore, aujourd'hui, il est obligé à patronner quand on a fait check son, il va dire si c'est ça, si ce n'est pas ça, or on est président. Donc moi-même, là, on a besoin de me parler. Je ne parle pas parce que moi, je ne vais pas me dire ou bien mon problème personnel à qui comprend. On m'a parlé à partir de fait. Ou pas capable pour un pays pour faire ça. Puisque je dis à Goud Sawaki, je dis à 73 Goud pour un dollar, il n'empoche pas, il n'empoche pas, il n'empoche pas paysan la Tibonitio, il n'empoche pas paysan l'Odessio. Tout le monde sait qu'on a flotté son comme sans valeur. Et pourtant, quand on voit profit comme là, dans la caisse des nègres qui ont dans la tête, bon grain de bagaille, fait, c'est l'argent. Moi, tandis qu'on a parlé, moi, on a eu la télévision qui a dit ce cerveau va arrêter de faire du bien pour faire de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre faire le bien et faire de l'argent? Et quand on a tout ce d'argent, est-ce que c'est ça qu'on est intelligent? Est-ce que c'est ça le cerveau intelligent? Est-ce que ça a remplacé la constitution pays? Ok. Nous allons finir là vraiment avec nous, sénateurs. Et mes dernières questions, là, faut nous poser quand même. Parce que dans la dernière interview que nous avons eu, nous avons essayé de poser des questions, ça, ou des bonnes ou informations. Est-ce que ça arrive, président POD, il y a déjà 5 sacs là? Il ne faut pas jamais. Il va pas. Son plaisant, tout ça. Mais je crois que c'est là qu'il y a courage pour venir pour dire que je ne vais pas payer au sac de papa. Même si on a acheté le bon, même pas quoi la paix. Parce qu'au fond, je pense que ça, c'est un bail qui était dans le cadre plaisant. Parce qu'au fond, même pas quoi. Et ouais, son bail symbolique, que lui, Salomon. Son bail symbolique, je vais jouer un journal qui est reconnaissant envers moi, ni envers le pays. Je vais jouer un journal qui a tout le courage, qui a un squelette en acier qui campait pour dire que le monde fait du bien, merci. Tout le monde qui fait du bien, j'ai l'impression que le fond soit clair, que l'a choisi. Moun sa yo pour le cas de compenser ou du moins pour être capable de manifester gratitude envers lui-même. On dirait que comme Dadou, c'est quand il t'a expliqué le jour et il t'a fait le discours là, le 17 octobre, là, que ce Gassadel va dire son boule qui gomme à tout, qui gomme bon, qui gagne fruit, on l'autre bon qui gagne wash. Donc, bon qui gagne wash là, moi, il t'a décrit, comme Dadou, moun de l'opposition, il disait, moi-même, moi, il décrit bon qui gagne wash là, d'un coup, n'est-ce pas côté, il mettait moi-même et au peuple là, moun, il monsieur, pas une reconnaissance vis-à-vis de moun qui menait là, autre que n'est-ce pas ça, que je choisis pour lui, mais c'est l'argent. Ou du moins, probablement, okay. Ou même je sens Tigri Moutou. Peut-être qu'il a même une forme de couleur. Donc, en ce sens-là, si c'est le cas, donc c'est peut-être bon, ça, que je choisis seulement récompenser. Merci beaucoup, sénateur Jacques Sauvé-Jean. Nous te comptons parler avec vous matin. Bon week-end. Moi, à la prochaine. Moi pour vous, monsieur. D'accord. Voilà, invitez-nous matin. C'était un sénateur nord-est paysan et sénateur Jacques Sauvé-Jean. C'est lui-même notre recevoir. Matin, dans la rubrique invité ça qui est arrivé entre la CAO, Gassac, Sipor, toute équipe là, collaborate nous, Nelson Maken, l'étape fait manœuvre technique en Haïti, Didier Wanwan Chopam, Josué Ekel en Miami, et des micros pour être capable de servir. C'était moi-même, Salomon Sedmé, Capsule de Basson. Excellent week-end. Pour Paul-la-palais.com.